Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Santé avec cette maladie que l'on croyait disparue et qui fait un retour en force depuis maintenant plusieurs années. C'est la gale, Astricia Mondon et Jean Rémillas. Retraiter tout le monde, retraiter votre enfant. Son bébé d'un an a la gale. Durant 5 mois, les médecins ont eu du mal à poser un diagnostic. Il me disait que d'abord c'était de l'eczéma et après de l'impétigo et après ils m'ont dit que c'était la gale. Donc j'ai fait 5 dermatologues. Ils me disaient n'importe quoi. Donc j'ai décidé de venir à Bordeaux pour traiter mon enfant. Bonjour à toutes et à tous, le but de cette vidéo et des prochaines je l'espère, c'est d'essayer de vous expliquer un peu comment fonctionnent les micro-organismes, hein, que ce soit des bactéries, des virus ou des parasites. Pour ça, je vais essayer de structurer un peu mon discours. Alors structurer, c'est pas forcément ce qui me détermine le mieux, mais là je vais essayer de me forcer un peu. Je vais donc essayer de vous présenter tout ça dans un ordre. Tout d'abord une petite présentation simple du micro-organisme, suivie d'un peu de physiopathologie, de la clinique, comment on fait de la clinique, du diagnostic, comment on fait du diagnostic, du traitement, et surtout ensuite les modes de transmission, parce que le mode de transmission va déterminer le mode de prévention, la façon de s'en protéger, ce qui est quand même essentiel. Voilà, cette présentation faite, on va y aller. Allez, c'est parti. La gale, c'est quoi? C'est une infection de la peau, une dermatose, qui est due à un ectoparasite, une sorte de petit acarien qu'on appelle le Sarcoptes scabii. La physiopathologie de la gale est assez simple. Vous allez avoir ce petit sarcope qui va se mettre au niveau de la couche cornée de la peau, qui va s'y insérer, qui va creuser des sillons, manger, déféquer, et comme il y a des femelles, va y pondre. Forcément, tout ça va entraîner une réaction de type urticaire, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même des sensations de grattage très importantes, et un grattage important, ce qu'on appelle un prurite, et ce grattage sera plutôt à prédominance nocturne. Ce prurite, ce grattage intense, n'est pas un signe spécifique, hein, il y a d'autres raisons médicales de se gratter. Mais on va donc voir dans la partie qui suit le diagnostic, des signes cliniques associés qui permettent d'orienter le diagnostic vers le diagnostic de gale, qui, comme l'a montré la petite vidéo au départ, n'est pas si évident que ça, même pour des dermatos. Pour le diagnostic de la gale, comme pour le diagnostic de beaucoup de maladies infectieuses, contagieuses, la première notion, ça va être une notion de comptage, de regarder si autour de ce patient suspecté de gale, ou on évoque une gale, est-ce qu'autour de lui, dans sa famille ou dans ses intimes, quelqu'un a la gale, ou des signes qui correspondent. Ensuite, on va regarder chez ce patient s'il y a un prurite, à prédominance nocturne. Et puis après, on va essayer de regarder s'il y a des lésions beaucoup plus typiques, c'est-à-dire on va regarder l'apparition de sillons épidermiques, ces sillons vont creuser les sarcopes au niveau de la peau. On va regarder s'il y a une présence de vésicules perlées, mais également de nodules scabieux. Il existe plusieurs types de gale, on en rencontre principalement trois. La première forme étant la forme commune, dite typique. Dans cette forme commune, on va rencontrer les lésions au niveau des chevilles, des genoux, de la face intérieure des cuisses, sur les fesses, au niveau des espaces interdigitaux, des coudes, des aisselles, mais également des mamelons. Cette forme de gale épargne généralement le visage et le dos. À la différence de la gale du nourrisson, deuxième forme de gale, qu'on va rencontrer chez les nourrissons et chez l'enfant, où le visage et le dos ne sont pas épargnés et où la typologie est moins spécifique. On va retrouver des vésicules perlées au niveau des aisselles, des pieds, etc. C'est un peu moins typique. Il existe également une troisième forme de gale, ce qu'on appelle la gale hyperkératosique. Cette fois-ci, aucune partie du corps ne va être épargnée. Dans la gale hyperkératosique, c'est une gale où il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de sarcoptes. Donc c'est une forme excessivement contagieuse, à la différence de la gale commune où on va avoir quelques dizaines de sarcoptes au maximum, qui est contagieuse, mais beaucoup moins. La gale hyperkératosique est extrêmement contagieuse. Le prurite est plutôt absent. On va plutôt avoir une hyperkératinisation de la couche cornée. Ouais, je ne l'ai pas trop mal dit. De la couche cornée, d'accord, comme vous pouvez voir sur les images. Cette forme de gale, on va la rencontrer principalement chez les personnes âgées qui vivent en collectivité ou chez les personnes très immunodéprimées. C'est une forme excessivement, je le redis, excessivement contagieuse. Pour nous parler du traitement, nous avons la chance de recevoir le professeur Didier qui va nous éclairer de son savoir. Pour le traitement, c'est simple, c'est chloroquine, chloroquine. Et si t'as une résistance, petit badigeon de pastis. Voilà, pas de secret, quoi. Ah quoi, c'est vrai, ça marche sur tout. Hein.
Waouh. Ben, merci pour ces conseils, mais pour les plus traditionnels, on va rester sur les traitements habituels. Donc il existe deux types de traitements, les traitements locaux avec des lotions comme la scabiole ou des crèmes comme le Topiscam. Ce qui est important dans ce type de traitement local, c'est de bien badigeonner l'ensemble du corps en n'oubliant pas le dos, les aisselles et également les plis, par exemple le pli interfessier. Généralement, on ne fait pas le visage ou le cuir chevelu, sauf s'il y a une indication médicale. Puis il existe également des traitements au niveau péros, c'est-à-dire qu'on va avaler, alors c'est l'ivermectine, le stromectol, ce sont des comprimés par rapport au nombre de kilos de poids corporel, avec un maximum de 6 comprimés. Sur les gales communes dites typiques, on ne fera pas un péros en même temps qu'un local. C'est pas forcément nécessaire. Sur les gales communes, ce qui est important, c'est de faire un péros à J0, premier traitement, et de le renouveler à J8, ou de faire un local à J0, et ensuite de le renouveler à J8. Sur les gales hyperkératosiques, c'est vrai qu'on aura une tendance à faire du péros associé à du local, et on va le renouveler plusieurs fois, jusqu'à disparition totale des sarcoptes. Ce qui est également important dans ce genre de traitement, c'est de conseiller aux patients qui a la gale ou de conseiller aux gens qui vont prendre ces traitements en prophylaxie, de le jour du traitement, de changer leur pyjama, de changer leurs vêtements, de changer leur literie, de la mettre à laver et également de prendre une douche le soir le jour des traitements. Pour ce qui est des contre-indications, des posologies, etc., c'est pas le but des vidéos, vous pouvez aller voir sur tout ce qui est Vidal, etc., vous les aurez si vous êtes des prescripteurs, vous devez les connaître. L'essentiel pour prévenir la contamination, c'est de connaître le mode de transmission. Je vais certainement le répéter des milliers de fois dans les vidéos, mais c'est ça, c'est le mode de transmission. C'est pas la peine d'aller réfléchir, de regarder s'il est hyper virulent. Donc comme il est hyper virulent, je vais l'attraper, il va passer à travers les murs et je vais en mourir. Exemple, si je mets une goutte d'Ebola aujourd'hui sur cette table, si vous n'allez pas sucer la table, vous n'aurez pas l'Ebola. Si je pose une compresse de sang avec du VIH, une viremie même très élevée, c'est une compresse de sang sur une table. Ce n'est pas une infection. C'est la présence d'un micro-organisme. Pour qu'il y ait infection, il faut un micro-organisme et un mode de transmission. Il faut que le micro-organisme puisse pénétrer et vous contaminer. C'est ça l'essentiel, c'est le mode de transmission. Le mode de transmission pour la gale est simple, c'est transmission interhumaine par contact direct. Traduction interhumaine de l'homme à l'homme. Par exemple, il existe des gales du chien. La gale du chien, votre chien va avoir la gale, il peut vous la transmettre. Mais vous ne la transmettrez pas à un autre humain. Ce sera le chien, humain, le chien, humain, le chien, humain. Mais il n'y aura pas le chien, humain, humain, humain. C'est une impasse parasitaire. Sur le sarcope scabéi, versus hominis, version hominis, pas versus, version. Sur ce sarcopte, la transmission se fera de l'homme à l'homme. Donc homme, 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 homme. Cette transmission va être directe. C'est-à-dire que pour l'attraper, il va falloir avoir un contact direct. Si j'ai un patient A qui présente la gale et que j'ai quelqu'un B ici, B n'a pas la gale. Il n'y a pas de contact direct avec la peau. Ou avec le linge du patient A. Le linge aussi, car la gale en sortant du corps peut survivre de 48 à 72 heures, principalement dans le linge. Donc le linge est contaminé. Donc là, moi à la gale, mon B ne l'a pas. Il ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a toujours pas. Il peut rester 8 heures comme ça, il ne l'a pas. Hein. Là, j'ai un contact direct avec la peau. À partir de ce moment-là, j'ai le risque d'avoir la gale. Puis ce risque augmente, car la durée de contact augmente. Puis là, le risque augmente encore plus car la surface de contact augmente. C'est ça, transmission interhumaine par contact direct. Vous pouvez donc rester assis 8 heures à côté de quelqu'un qui a la gale, si vous n'avez pas de contact direct avec lui ou avec son linge ou son environnement pour les gales hyperkératosiques. Je vous rappelle que les gales hyperkératosiques sont extrêmement contagieuses, donc même l'environnement du patient. Une fois que vous connaissez ce mode de transmission, il en découle très simplement les modes de prévention. La prévention, c'est simple. La peau du naïf, celui qui n'a pas la gale, ne doit pas rentrer en contact avec la peau du patient qui a la gale ou avec ses vêtements. Si je dois avoir un contact avec la peau, je porte des gants. En portant des gants, je n'ai pas de contact avec le malade, avec la peau du malade. Si je porte des gants et que je touche le linge du malade,
je n'ai pas de contact avec le linge du malade. Si je dois avoir un examen plus intrusif, si je dois plus me coller à l'environnement et au malade, je porte des gants et une surblouse. Si je dois prendre le linge du patient et que je me couche sur sa literie, je porte des gants et je porte une surblouse. Si vous avez envie de le toucher avec votre front, eh ben vous mettez un sachet plastique, ça vous évitera de le toucher avec votre peau nue. C'est ça le principe. D'accord, ça marche, le sachet plastique, ça marche aussi avec les pieds. Hein. Si vous décidez de le tripoter avec vos pieds, ça marche aussi. C'est ça en fait. Si vous faites ça, que vous respectez le contact direct avec la peau du patient, que vous respectez le contact direct avec le linge du patient, et que dans les gales hyperkératosiques, vous respectez le contact direct avec l'environnement en général du patient, si vous respectez ça, vous avez cassé le mode de transmission, il y a parasite, mais il n'y a pas contamination. Simple. Il en découle de ce que je viens de dire que le linge est également contaminé, donc le linge, il faut faire attention lorsqu'on va le manipuler, d'accord ? Toujours pareil, pas de peau à linge, sans protection. Le linge ensuite, si vous pouvez le laver, le mieux c'est de le laver à 60 degrés avec un détergent. Si vous le lavez le linge à 60 degrés, vous ferez disparaître le sarcope. Si le linge n'est pas lavable ou qu'il est tout simplement fragile, vous pouvez également prendre le parti de le mettre dans un sac plastique et de le traiter avec un acaricide de type APAR, A-P-A-R, c'est un acaricide. Vous traitez le linge dans le sac plastique, vous fermez le sac plastique, vous laissez ça 4 heures, ça va tuer le sarcope. Si vous n'avez pas d'APAR, vous ne voulez pas l'utiliser, vous prenez le linge, vous le mettez dans un sac plastique, vous fermez le sac plastique, vous le laissez pendant... Voilà, merci le téléphone, obligé de faire une prise sans le raccord t-shirt, qui n'est pas le même. Donc, je finis, le linge, vous le mettez donc, si vous ne le traitez pas par un acaricide, vous le mettez dans un sac plastique, et vous le laissez en moyenne, alors vous verrez, il y a plusieurs trucs, vous allez entendre 3-4 jours, vous le laissez en moyenne 7 jours. D'accord, vous le laissez 7 jours dans le sachet plastique sans l'utiliser. Il en est de même, si par exemple c'est un canapé, ben, vous le laissez un peu isolé, vous asseyez pas dans le canapé pendant 7 jours, et le sarcope va mourir naturellement. Puis, dernière chose, si vous êtes soignant, à savoir, quand il y a une gale dans les services, généralement, on a un petit peu le syndrome du poulet sans tête pour certains. C'est-à-dire que la gale est annoncée chez un patient et on va commencer à courir. On a attrapé la gale, on a attrapé la gale. Et on a des gens qui ont vu le patient lundi, qui n'étaient pas isolés. Ils ont appris que c'était une gale mardi, ça les gratte mardi. C'est pas possible. De toute façon, c'est ce qu'on appelle une gale psychologique. Si vous avez vu quelqu'un qui a la gale lundi et que vous n'avez pas mis en place les mesures de prévention, ça ne peut pas vous gratter mardi, mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine-là. Je vous l'ai dit, ce qui est important aussi dans les pathologies, c'est l'incubation. L'incubation est de plusieurs semaines et sur une réinfestation, elle est en général de plusieurs jours. Donc c'est impossible. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé d'avoir la gale le mardi, parce que vous avez vu quelqu'un qui a la gale le lundi, que vous allez voir votre médecin et que vous êtes truc, vous aurez peut-être un traitement, mais ce n'est pas la gale. D'accord ? Donc il faut aussi arrêter avec ça. Il faut laisser un peu de temps, il faut éviter d'y penser, et puis si réellement ça vous gratte, et ben plus quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, ben, c'est peut-être la gale cette fois-ci. D'accord ?